Donald Trump isolé sur la scène internationale après sa décision sur Jérusalem. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu de se réunir d'urgence demain matin à la demande de 8 pays membres. 4 Européens, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède, 2 Sud-Américains, la Bolivie, l'Uruguay et 2 Africains, l'Égypte et le Sénégal. Faire de Jérusalem la ville trois fois sainte, la capitale d'Israël, en décidant de déménager son ambassade, a été un coup de tonnerre pour le Proche-Orient. Il est temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, a déclaré hier soir le président américain, jugeant que cette décision était la meilleure pour les intérêts des États-Unis et la poursuite du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne, il satisfait ainsi de grands pans de son électorat, mais l'embrasement risque d'être difficilement évitable, cette décision des États-Unis allant à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.